something outside your window, but you just never know. It could be something right past the turnpike gates, but you'll just never know. If my velocity starts to make you sweat, then just don't let go. And if the heaven ain't got a vacancy, then we just, then we just, then we just, then we just get up and go. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien après cette introduction super longue. Je bouge le micro, ne vous inquiétez pas, ça dure 3 secondes. Voilà, bon, vous voyez le petit message en bas, il n'y a plus de mode online depuis. On est sur Grand Turismo 5, j'espère que tout va bien se passer. Oh, ce jeu, mais alors... Comment vous dire ? On va commencer directement par l'introduction. Bon, ça va être Francis Cas, m'élève comme d'habitude, mais je m'en fous. De toute façon, vous connaissez déjà le jeu bien avant moi. C'est un jeu, quand je l'ai acheté, je l'ai eu un jour avant. Avant la sortie, parce que j'y suis allé en mode bourrin. Je suis allé au choix sur la Micromania à l'époque. Et j'étais allé, je crois, un mardi, le jeu devait sortir mercredi ou jeudi. Et ils les avaient déjà, donc t'y allais au flanc, ils te le donnaient. Et du coup, bah, t'avais le jeu avant la sortie. Enfin, c'était un truc, je sais pas si c'est encore possible à l'heure actuelle. Et bref, ce Gran Turismo 5 était un Gran Turismo ultra attendu, tout simplement parce qu'après la Maestria, qui était le Gran Turismo 4, on allait enfin sauter encore une génération avec la PlayStation 3, qui est une console, vous le savez, très difficile à développer. Et bah pour le coup, ce jeu, je vais résumer en 30 secondes, ce jeu est énorme, voilà. Il est grand en tout, il est grand dans sa conception, il est grand dans sa durée de vie, il est grand dans son... Voilà. Alors, petit aparté sur les introductions, je vous avoue sincèrement que la première fois que j'ai joué à Gran Turismo, que j'ai vu le tout début de la première partie de l'introduction, j'ai zappé. Évidemment, l'introduction après est excellente, il n'y a pas de souci, mais la première partie avec la partie fabrication, je vous avoue, j'avais pas la patience, je voulais tellement jouer que je crois que c'est... Du coup, cette introduction, je crois que je ne l'ai jamais vue entièrement, en fait. J'ai des souvenirs un peu vagues de la deuxième partie, parce que j'ai dû le revoir sur Internet. Et ça s'arrête là. Alors, j'ai un petit peu avancé le jeu dès le début, pour vous éviter un peu de trucs redondants. On a comme d'habitude, donc, un mode GT, un mode arcade, un mode course maker, qui a été, je crois, introduit pas tout de suite. Il a fallu attendre
une ou deux mises à jour pour qu'il y soit. Le Gran Turismo TV pour voir les courses, mais qui n'est pas possible parce qu'on n'est pas en ligne et qui de toute façon ne sera jamais disponible puisque bah, le service est down. On a des options. D'ailleurs, on va aller tout de suite dans les options. On a les paramètres donc pour l'arcade, pour le display de course. Alors, je vais d'abord faire un truc au passage. Normalement, je crois que dans les premières courses, si on ne change pas les réglages, on nous indique les trajectoires à utiliser et les points de freinage, etc. Donc là, on va se mettre en kilomètre-heure. Et on va, au niveau du hardware, donc on a les vibrations, etc. Je vais enlever la fonction vibration parce qu'elle est ultra abusive. Au niveau de l'audio, bon, ça on peut changer ce qu'on veut, etc. Par contre, regardez, on peut utiliser un système personnel ou carrément le dossier musique. C'est-à-dire que si vous voulez ne pas écouter les musiques de Gran Turismo, vous pouvez charger à partir de la console vos musiques. Small Theater, Living Room, on pourrait avoir quelques petites options comme ça. Là, je peux pas le changer. Bon, j'ai acquis 5 points à la maison, mais pour la vidéo, ça se ressentira pas de toute façon. On a le display. Donc là, on est en 1920x1080, image quality. Flicker Free, Sharp, regardez, on a la qualité normale. Là par exemple, voilà, un truc que si vous ne savez pas dès le début, ben, vous allez vous faire avoir. On peut mettre à 100% l'écran et pas avoir ces bordures noires que l'on a d'habitude. Ensuite, on peut évidemment avoir le support des volants. Que, bon, il y a des volants encore plus trop récents, les G27, mais bon, ça fera plaisir à ceux qui ont encore ces volants. On a les Network, Utility et le système avec la PlayStation portable. On va faire retour. Alors, comme je vous l'ai dit, comment on sort? Voilà, exit. C'est avec mes boutons exit aussi. On va rentrer tout de suite. Alors, on va faire très rapidement. Très très rapidement le mode arcade. Parce que je vous dis, la vidéo va durer une plombe, je pense. Parce que c'est assez super long. Il y a tellement de trucs à montrer que bon. Il va falloir faire des choix, malheureusement. On a toujours le mode single race, le mode de time trial, donc pour faire ce temps. On a un mode drift trial, donc maintenant il y a le mode drift qui est arrivé dans la série, hein, qu'on n'avait pas dans le 4, que l'on a dans le 5. Et on peut jouer à 2 en utilisant l'écran split. Et c'était encore possible à l'époque, ça c'était sympa. Ce que je vais faire, c'est que je vais montrer une petite course rapide. On a 3 niveaux de difficulté, on a le niveau intermédiaire. Ça fait un bail que je n'ai pas joué à ce jeu. J'ai joué vite fait comme ça pour avancer un peu, j'ai dû faire une course 2, maxi et un permis. C'est un jeu qui est très difficile à marcher sur le PC, je vous avoue, c'est une calamité, bref. Et c'est pas dit que ça marche jusqu'au bout là. Donc on a tous les circuits, et comme vous avez pu le voir dans l'introduction, on a beaucoup de nouveaux tracés. On a les anciens qui sont toujours présents, ça fait toujours plaisir, même si l'Highspeed Ring est toujours aussi mauvais. On a avec... le Change Water, donc avec la pluie qui est disponible maintenant selon les configurations. Donc Trail Mountain est toujours là, Deep Forest est toujours là. Alors je précise que pour Trail Mountain et pour Grand Valley Speedway, c'est les versions de base, ce n'est pas les versions qui ont été modifiées dans le set, hein, donc on a vraiment les versions à l'ancienne, au niveau du tracé, etc. On a le Eager Norwand Short Track qui fait partie du circuit qu'il y avait dans la version Gran Turismo HD, la version qui était proposée en démo il y a quelques années en arrière. On parle vraiment quelques années en arrière, le jeu est sorti en 2011, hein, faut le savoir, Gran Turismo 5 est sorti 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 6 ans après, 6 ans, c'est le record, hein, entre deux Gran Turismo, 6 ans entre le 4 et le 5. Et entre temps, en 2006, il y avait une petite démo avec ce circuit, etc., qui inaugurait déjà ce que ça allait être pour le futur de Gran Turismo. On a Capring, alors c'est un circuit qui est nouveau, c'est un circuit auquel on va beaucoup utiliser en début de jeu, même au milieu de jeu, si je me souviens bien. Bon, je vous montrerai. On a l'Autumn Ring, on a le Clem Valley East, donc ça c'est les circuits évidemment originaux, hein. C'est pas les circuits existants dans la réalité. Capring Sauce, on a les variantes évidemment, qui donnent l'impression qu'on a beaucoup de circuits, mais il n'y en a pas tant que ça. Il y a Autumn Ring Mini, High Speed Ring Reverse, on a encore le Trail Mountain Reverse. Donc là, vous voyez, c'est les mêmes tracés depuis tout à l'heure, mais en mode reverse. On a les World Circuit. Et là, vous allez voir, il y a quand même pas mal de nouveautés. On a le Super Speedway en mode Indie, qui n'était pas présent avant, puisque c'était Motegi. On a Daytona USA, carrément. Daytona, voilà. On a le National, donc le circuit de Monza. On a, bon, avec la pluie, pas pluie.
Le circuit de Tsukuba qui est toujours présent, le Laguna Seca toujours là, le circuit d'Assad bien entendu toujours présent, et ça, ça fait toujours autant plaisir, le Nürburgring, le Fuji Speedway qui était déjà là, le Suzuka Circuit qui continue, la version road course, donc ça c'est la version F1 en fait de circuit de l'Indy. On a Daytona en version intérieure aussi. Monza sans la chicane, carrément. Ils sont venus en faire une variante. La circuit de la Sarthe sans la chicane, la sonde demi-5, demi-5. Bon, ils ont repris des fois quelques versions parce qu'ils se sont dit, bon, vous allez voir dans le jeu, il y a un petit défaut. Je parle beaucoup, je suis désolé, après on va jouer, vous inquiétez pas. C'est que, à l'époque, quand le jeu est sorti en 2011, il y avait pas mal de voitures en moins par rapport au 4, parce que le changement de génération fait, c'est un peu comme le 3, qu'il fallait tout modéliser, etc. Et ils nous ont quand même refourgué des voitures du 4 qui ont été simplement upscalées. Et du coup, des gens ont un petit peu gueulé, et du coup, au fur et à mesure des mises à jour des patchs, ils ont commencé un peu à refaire certains modèles de Gran Turismo 4 pour les passer en version Gran Turismo 5, etc. avec l'intérieur, etc. Mais ça a été vraiment au coup de goutte. Et vous allez voir qu'il n'y a pas que ça comme truc pas super dans Gran Turismo 5. On a un circuit en ville, avant que j'oublie, on a la Rome, donc toujours présent. On a la spéciale Stage Route 7, tout court, donc là c'est un aller-retour sur une autoroute en fait. Ça c'est bien pour les mecs qui aiment comment ça s'appelle, les courses de nuit quoi, on a au Japon où ils font des courses sur des autoroutes, voilà, je sais pas comment expliquer. Ensuite on a le circuit de Madrid, qui est un nouveau circuit que je ne précise pas du tout, mais ça c'est mon point de vue. Ensuite on a le circuit de Madrid en version mini. On a le Tokyo R246 qui est toujours là. Le Special Stage Route 5 en version nuit. Le Clubman Stage Route 5 toujours là. La Côte d'Azur Monaco qui est présent et bien sûr beaucoup plus joli. Je me souviens plus, ils ont refait la chicane qui est assez horrible. Le circuit de Londres qui était un porte-étendard à l'époque de la sortie du jeu parce que c'était pour montrer les graphismes vraiment de la ville qui était extraordinaire. Oui, parce qu'à l'époque ça claquait sa maman au niveau graphisme. Il y avait cette Forza qui était sortie entre temps à nouveau sur Xbox 360. 60 qui était très beau, mais les gens attendaient quand même Gran Turismo 5. Et ensuite, on a la version reverse. Alors, on a enfin les circuits de Snow, parce que le rallye est toujours présent. Ils avaient fait une bonne pub sur le rallye en expliquant que, bon, effectivement, ils avaient amélioré, blablabla. Je vais être franc avec vous, c'est pas top non plus. Ça reste toujours aussi arcade, ça reste toujours... je recomparais le mode rallye de Gran Turismo à un mode V-Rallye 1, V-Rallye 2. Au niveau des collisions. Donc là, on a les circuits de nuit... Dans la neige, pardon, sur la terre, et avec des versions un peu différentes. En tous les cas, si vous me suivez depuis les 4 minutes qui sont là, vous avez vu le nombre de contenus qu'il y a dans le jeu du circuit, ils se sont vraiment fait plaisir, et ça, c'est parfait. Et on a mes courses, si j'avais fait un circuit personnalisé. Alors, on va faire un truc original pour le moment, je pense que la meilleure façon de montrer qu'un jeu a évolué ou pas, on va se mettre, par exemple, à Monaco. Comme ça vous allez voir la différence avec le 4. Alors on a plein de voitures, évidemment on peut avoir celle du garage mais je n'ai rien. Enfin je n'ai qu'une voiture. Et là on a des voitures en version B. Alors il peut y avoir quelques bugs graphiques, mais alors ça j'espère que vous ne voudrez pas. C'est vraiment c'est l'émulation quoi entière. On a énormément de bagnoles, en plus avec des versions haute performance. Par contre, on a des modèles un peu plus classiques, voilà, qui sont là. Par exemple, une Lexus. Il y a beaucoup de constructeurs qui sont présents. On a l'arrivée de Ferrari, on a même des F1. Enfin, il y avait déjà des F1, on a d'autres F1. J'ai pas envie de prendre une voiture ultra rapide pour le début. On va prendre une TVR, tiens. Allez, une Tamura de 2002. Par amour du goût. On peut changer les couleurs. Alors, il y avait encore pas mal d'aliasing à l'époque, c'est encore présent dans la vidéo, mais il faut savoir que ce jeu, la PS3, n'utilisait pas forcément anti-aliasing non plus, donc on a fait un peu de pixelisation. Vous remarquerez que les détails sur les voitures sont quand même exceptionnels. Je mentionnerai plus tard, mais quand on voit les replays, on peut s'arrêter dans les replays, et le détail dans les phares est assez extraordinaire. Les réflexions à l'intérieur des phares, c'était un truc, vraiment, je me suis dit, mais ils sont vraiment allés jusqu'au bout. Allez, on va la prendre. Bon, en jaune, c'était très bien. En jeu, c'était très bien. On va partir sur celle-là. On a plusieurs réglages qu'on peut faire avant la course, ça c'est bien. Par exemple, je peux choisir de mettre des pneus sport, on va les mettre en soft par exemple, voilà, pour avoir un peu de grip. La driving line, voilà, qu'on va désactiver, qui nous indique en fait les points de freinage, etc.
va laisser le traction control. On a l'ABS, les activations, tout ça. On l'avait déjà dans le 4, sauf que là, on a quelques options en plus par rapport à Gran Turismo 4. Cette musique. Vous allez en bouffer, parce qu'elle est quasiment à tous les chargements. Et là, ne vous faites pas avoir. Le chargement dans ce jeu, c'est un des gros défauts du jeu, qui d'ailleurs était un peu contrebalancé par le fait que l'on pouvait après enregistrer une partie du contenu du disque, du Blu-ray, sur la console, c'est que c'était super long les chargements, mais d'une longueur, et des fois il fallait attendre 30 à 40 secondes pour jouer, quoi. C'était vraiment énorme, et ça c'était vraiment une grosse déception. Alors on a les options de conduite qui sont là, voilà, on les a vues. On a les settings de course, il va y avoir des ralentissements dans le jeu, je vous le dis, j'ai pris le circuit. Regardez comme, par contre comme c'est beau pour l'époque, c'était quand même assez énorme. On va lancer la course, on est 16 sur la piste, bonne nouveauté, on est passé de 6 à 16 maximum je crois. Il y a des courses où on sera beaucoup moins, on sera à 8, 9, 10. Mais ça fait plaisir d'avoir un Gran Turismo avec plein de bagnoles en même temps, ça c'est clair. Vous avez vu les petits effets qui galèrent un peu. Ah là, je suis au taquet niveau configuration, je sais pas comment je vais pouvoir présenter ça, mais... J'espère que ça sera pas trop mauvais. Au secours, ça fait 10 ans que j'attends de vous montrer le jeu. Alors, c'est parti. On arrive dans la première chicane. Alors là, je suis en vue du bas. Ouais, alors le temps qui charge un peu tout, vous inquiétez pas, ça va s'améliorer. Donc on a une vue intérieure comme d'habitude. On a une vue. Alors je vais faire select. Voilà. On a une vue cockpit avec, si je me souviens bien. Tous les cockpits évidemment sont de chaque voiture, hein. C'est-à-dire qu'on a vraiment une version où ils se sont embêtés à faire tous les cockpits un par un, c'est-à-dire qu'on n'a pas un cockpit générique. Par contre, on va avoir un cockpit générique pour les voitures qui viennent de Gran Turismo 4, c'est-à-dire qu'elles seront... ça sera en fait un fond noir, un peu comme sur la PSP, et un volant par-dessus, ce qui fait qu'on a l'impression d'être en caméra embarquée, mais en fait on l'est dans une caméra embarquée, mais c'est pas réaliste à ce niveau-là. Alors j'ai bien fait de prendre une TVR parce qu'on va être beaucoup plus agile. Donc ça, je suis dans le cockpit. D'ailleurs, il y a pas mal d'effets de réflexion sur la cockpit. C'est magnifique, hein. Vraiment, c'est très très joli. Bon, il faut se replacer en 2011. 2011, 2012, 2013, 2014, puisque c'est la durée de vie du jeu à peu près jusqu'au dernier patch. On a... Ouah, je commence à partir en drift. On a le maniement qui a été revu, avec les effets de transfert de masse qui sont un peu plus réussis maintenant. On a donc, je voulais montrer la vue intérieure. On a la vue capot qui est toujours présente, qui sera celle que en général les gens vont utiliser parce que c'est une des plus précises, tout en gardant le côté ras du sol, enfin pas loin du sol, du coup qui est beaucoup plus précis. Je vais y arriver, attention. Bon, évidemment, on a la vue arrière si on fait la touche arrière. Voilà, et regardez le tracé, les effets de réflexion sur les vitres, on a beaucoup plus de détails. On est déjà deuxième, c'est quand même pas mal, on a fait un bon départ. Alors on est en mode, je crois qu'on est en mode normal, donc c'est pour ça. Le HUD a été revu, on a à peu près les mêmes options que dans le 4, même si c'est juste évidemment plus joli en termes de précision, enfin les écritures sont mieux faites, elles sont en haute qualité. Enfin regardez, on est en Full HD, on est 1080p. Le jeu n'est pas plus haut, de toute façon la console n'en est pas plus haut. Par contre, c'est vraiment un full 1080p. Il faut savoir qu'à l'époque de la 360, et même encore de la Xbox One, hein, si je dis pas de bêtises, et peut-être même sur PS4, je saurais pas dire, c'est possible aussi. Ils avaient tendance à dire que les jeux étaient en 1080p, mais en fait, pas vraiment. On avait surtout de l'HD classique, donc du 1280x720, et pas du 1920x1080. Les consoles étaient certes puissantes, mais pas assez pour afficher avec une... bon taux de rafraîchissement, tous les détails sur du Full HD. Et par exemple, celui-là, ce jeu est en Full HD. Pur Full HD. Alors que certains jeux, par exemple, réduisaient leur résolution en 960p, par exemple, c'était une résolution un petit peu intermédiaire. Ce qui fait que dans les menus, c'était en 1080p, mais en jeu, vous êtes dans une résolution plus basse pour garder une certaine framerate. Et c'est là où Gran Turismo 5 reste un porte-étendard quand même de la console. Pas que lui, mais avec d'autres jeux. En tout cas au niveau course, puisqu'il gérait vraiment un 1080p pur. On va arriver, vous voyez, on va regarder autour, regardez les gens, ils sont en 2D, ils sont pas en 3D, mais certains personnages sont en 3D, surtout dans le mode photo, puisque le mode photo est toujours présent.
Ce mode photo, d'ailleurs, il y a des trophées, évidemment, à voir dans le jeu. Il y a un petit trophée qui est assez amusant. C'est qu'il y a une scène de photo, je crois, on est en ville. Et si vous prenez en photo, pas la voiture, mais vous prenez la dame qui est assise sur la fontaine, quelque chose comme ça, et ben, vous allez pouvoir vous allez avoir un trophée. On a fini la course, je vais faire niche. Bon, ça va, ça se passe pas trop mal. Quand il n'y a pas trop de voitures, on va dire que ça tient. Ça fait énormément plaisir, je le redis, d'avoir autant de voitures en même temps. Ça, c'est vraiment, vraiment super cool. Bon, on les a écrasés avec l'agilité de la TVR. Sur un circuit comme Monaco, c'est pas mal. Vous voyez, on a quelques effets de flou cinétique. Quand vous voyez le replay, etc. Je vais faire start. Vous connaissez, c'est Gran Turismo, les replays sont magnifiques en général, il n'y a rien à dire. On va faire sortir, et on va aller directement dans le grand main, on va aller, alors si, je vais vous montrer peut-être un drift, quand même, allez, sur deux, et on va se mettre sur le... Ah, très bonne montagne, allez. On va prendre une voiture au hasard, alors je peux prendre une Supra, on va prendre une voiture qui est plutôt faite pour le drift, tant qu'à faire, et qu'il y en a pas mal qui pourraient l'être hein, dans l'eau, mais... Il y a marqué quoi? Super Leggera. Mais attendez, la Super Leggera, c'est pas une Lamborghini, ça, normalement? Bon, c'est pas grave, on va la prendre. C'est pour tester. Driftif. On a Full Lap Drift Sector Mode. On va garder par exemple mode secteur. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Formelium à l'arrière. Voilà. Simplement pour avoir moins de grip sur le train arrière et pour pouvoir glisser plus facilement. Le mode drift qui est pas facile si vous n'avez pas la bonne voiture. Il faut vraiment avoir la bonne voiture pour ça. Et du coup, on est à Trial Mountain. Je vais pas arrêter de parler pendant 2 heures, je suis désolé. Je vais de me taire pour une course ou deux. Ça s'arrêtait là. Allez, c'est parti. Donc, on va avoir des portions, c'est comme dans le Gran Turismo HD, où on va devoir, voilà, à partir des panneaux, qui s'affiche faire un drift. Voilà, et si je me loupe dans le drift, ben je fais 0. Alors, on va repartir. Ouais, l'effet évidemment de brume. Je me suis fait insulter parce que j'ai vraiment fait le drift le plus naze de l'histoire de Gran Turismo 5 potentiellement. Alors là, normalement, je suis censé partir en drift. Voilà. Voilà, 938 points. Alors, petite réflexion ici, vous voyez, on a un lac à la fin, de ce virage. Et dans les Gran Turismo 1 et Gran Turismo 2, avant, c'était une forêt. C'est juste qu'ils ont amélioré les détails au fur et à mesure. C'est un petit aparté. Ouais, voilà, le problème, c'est que... C'est que j'ai pris la partie intérieure, du coup, j'ai pas fait beaucoup de points. Bon, j'ai que 1287 points. Le but, c'est de s'entraîner et de faire après des meilleurs scores. Pour après, dans certains concours, réussir à avoir le médaille, quoi, tout simplement. Alors, on va sortir le mode drift, vous avez compris, c'est très basique, mais c'est très intéressant de l'avoir mis. Et je me souviens qu'en mode online, il y avait beaucoup de gens qui faisaient des serveurs drift, surtout sur Tsukuba. Alors, voilà, ça charge. Sur la PS3, ça charge pas comme ça, c'est instant. Ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de choses qu'il va falloir vous dire, c'est que cette vidéo, elle est faite en mode... J'espère que ça va marcher jusqu'au bout. Voilà, tout simplement. Allez, on est... World Circuit Maker, on verra plus tard. On va rentrer dans le grand main, le GT Mode, bien sûr. On demande de s'inscrire sur le PlayStation Network, on va pouvoir le faire. Puisque, pas de compte. Et bienvenue, du coup, dans ce mode Gran Turismo, dans sa version 5. Et tout de suite, l'interface qui paraît quand même assez fouillie, je trouve. Pour l'époque, c'était quand même pas mal le cas. On a énormément de boutons, on a des options partout, on a des menus un peu partout. Mais si vous allez voir, c'est quand même assez clair, assez organisé. Donc on va commencer par le haut, on a les informations du player. Donc on a notre combinaison, notre casque, on peut modifier notre personnage. Par exemple là, j'ai des casques. Je peux choisir le casque que je veux, je peux en débloquer et l'utiliser un peu plus tard. On a aussi la combinaison. Par exemple, j'ai une combinaison bleue, combinaison rouge, etc. Voilà. Pack.
on a notre niveau à spec et B-spec, et pour pouvoir faire certaines courses, il va falloir avoir certains niveaux que si on n'avait pas en B-spec. En fait, des fois, il y a certains championnats qui peuvent être que si on a un certain niveau, en plus d'avoir une licence. Vous voyez, j'ai la licence B, donc c'est le premier. Mon nom, c'est User, parce que bah, j'ai pas pu créer de compte. On a le lobby, les événements saisonniers, il y en avait. Alors, je crois qu'il n'y en a pas, puisqu'il faut être connecté au serveur. Mais régulièrement, ils rajoutaient des événements qu'on pouvait faire en ligne, etc. Donc ça, c'était pas mal. Le jeu était quand même pas mal suivi par Polyphony. Je m'arrête 30 secondes sur la partie online. Le gros problème de la partie online à l'époque, bon, il fallait avoir une bonne connexion. C'était pas spécialement les serveurs les plus stables. C'était pas super. Le online sur PS3 était pas super. Sur PS4, ça s'est amélioré, mais PS3, c'était pas encore trop ça. Donc les courses, c'était un peu compliqué d'avoir des courses vraiment, vraiment bien en ligne. Le online dealership qui n'est pas présent puisqu'on n'est pas connecté. Le car delivery que je... Ben, quand on reçoit une nouvelle voiture, on l'a dans la partie car delivery. Je ne vais pas vous montrer tout de suite. Alors après. On a les événements spéciaux. La licence bien sûr qui est présente toujours. Avec tous les permis qui vont jusqu'au S. Alors là j'ai aussi par exemple que le premier. Mais on a aussi toutes ces licences là. On est en arrière. Les menus aussi sont pas forcément très rapides hein, des fois dans les chargements. Enfin, on passe beaucoup de temps dans les menus et c'est pas les plus pratiques. Au niveau du GT Life, dans le profil, voilà, on peut voir un peu tout ce qu'on a réussi. Et il me semble que si je vais, alors vous allez voir, dans les réglages, My Home Setting, Design Setting, on peut changer la couleur du thème. C'est-à-dire si vous voulez un thème avec une autre couleur, vous pouvez. Ouais, c'est incroyable, hein, on peut personnaliser son truc. On peut choisir une photo, mais je n'ai pas de. Je n'ai rien dans mon répertoire photo, donc je peux pas. Ça c'est on pouvait changer la photo. Le wallpaper, ouais, là on était à Monaco. Mais si je veux, je peux prendre un autre front par exemple. Je crois qu'il y en a des super, pour ça j'avais mis le premier. Bon par exemple on peut mettre celui-là. Voilà. Et on peut mettre ça. On peut mettre Jayville par exemple. Bon ça il n'est pas beaucoup disponible. Encore pas mal en haut finalement. Ouais, je vais être un peu japonais, j'aime bien. On va faire le message de bienvenue en bas. Parce que quand on est online. On a les options de sauvegarde, on a le manuel et les news du jeu quand il y en a. Mais il faut être connecté sur la version online. On a notre le communauté, c'est pour parler aux gens, faire les courses, etc. Notre garage. Donc, on a trois onglets dans le mode garage. On a les premium cars, on a les standard cars. C'est ce que je disais, c'est les voitures qui viennent un petit peu de Gran Turismo 4 en fait, qui ont été upscale. Donc ils sont pas considérés comme des nouveaux modèles faits pour Gran Turismo 5. Et les favoris quand on met les voitures en favori. Donc vous allez pouvoir, j'ai acheté, prends voiture, je me suis dit tiens je vais prendre une petite CRX SIR de 90. Donc c'est une voiture de Gran Turismo 4 qui a été refaite. Elle est quand même jolie quand même, hein, elle est quand même bien faite, c'est pas les modèles les plus précis, mais ça va, en vrai ça va. On peut voir des démos, on peut la mettre en favori si on veut l'utiliser à chaque fois. On a une partie de tuning qui était totalement refaite. Ouais, bref, comme vous voulez. Et directement là, en fait, on peut faire les changements. Par exemple, là, je suis en Comfort Tire Soft. Et si je veux, j'ai un bouton pour acheter directement. Je n'ai plus besoin de changer, d'aller dans un menu. Et d'acheter mes trucs, revenir et les équiper ou les déséquiper. Donc ça c'est pas mal. Par exemple si je veux acheter des sport tires en soft, coûte quand même 8000, bon on a 17000. On va pas les acheter, hein. Rien acheter. Je peux les acheter et les équiper tout de suite. On a les pneus pour la neige aussi, les pneus pour le gravier. Et là on a toutes les options de changement pour acheter toutes les améliorations en fait dans le jeu. Transmission, là par exemple on voit que j'ai acheté un volant standard mais je peux par exemple passer en clutch single plate, ça coûte 1500, on va en acheter un petit peu, parti, et donc on peut choisir de revenir sur l'ancienne configuration ou sur celui-là. On a les points de performance à droite, vous avez donc la puissance, weight et performance points, et les performance points, si je ne dis pas de bêtises, c'est encore un système qui permet de réguler les voitures utilisables dans les championnats. Ils avaient fait ça dans Gran Turismo 2, ils l'avaient abandonné dans le 3 et dans le 4. Enfin, dans le 4, je crois qu'il y a très peu de courses où ils prennent la puissance. Je crois qu'il n'y en a même pas. Je sais plus trop. Mais en gros,
vous pouvez pas participer si vous avez trop de performance points, par exemple, à cette course, pour que ce soit pas trop facile non plus. Ensuite, c'est classique, hein, vous avez compris. On peut voir la courbe en plus, les couronnes performance, etc. On va faire close. Et donc les premium cars, donc on a un karting. Alors le karting, on peut utiliser le karting, faire des courses de karting. Mais alors le karting, c'est quelque chose qu'ils ont rajouté. Mais honnêtement, le karting, c'est super arcade, c'est vraiment pas intéressant. Je vais être franc, je n'ai pas du tout aimé le karting parce que j'ai trouvé ça inintéressant au possible. On a les dealerships pour acheter évidemment toutes les bagnoles. Alors regardez-moi ça. Hein. En Turismo 4, il y en avait des voitures, mais alors en Turismo 5, il y en a aussi. Il y en a aussi pas mal. Par contre, je pensais qu'il y avait plus de constructeurs que ça. Alors regardez en bas, il y a quelque chose d'intéressant. Cars of this make available to purchase at current level. En gros, disent que avec mon niveau actuel, mon niveau 4, c'est en bas, en haut à droite, mon niveau, je ne peux acheter par exemple 0 voiture. Là, je ne peux en acheter 2 chez Ford, chez Lancia, je peux en acheter qu'une. Je peux acheter une Lancia Delta Intégrale par exemple, si je veux. Parce qu'il y a un niveau minimum, et regardez qu'elle a un point de performance qui est de 401. Mais si par exemple je vais chez Honda, je vais avoir plus de voitures disponibles à l'achat. Puisque regardez, il y a des niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau 7, niveau 19 par exemple. Si je vais utiliser ça là, mais je peux pas. Parce que je n'ai pas un niveau suffisant. Donc ça va m'obliger à prendre de l'expérience dans les petits championnats. Pour ensuite, après, l'utiliser dans les autres. Je me rends compte qu'il y a un petit bug. Regardez les phares. Les phares s'affichent au début bien, puis s'affichent noir. C'est l'émulation, vous inquiétez pas, dans le jeu final, ça s'affiche très très bien. Beaucoup de constructeurs, on a aussi, comme je vous l'ai dit, des nouveaux, Lamborghini, Ferrari, etc. Et Ferrari, quand on dit GK Ferrari, ils en ont quand même rajouté pas mal. Parce que dommage, c'est que tous les phares sont un peu buggés, j'ai l'impression. Alors je sais pas si en course ça le fait, en tout cas dans les menus, c'est le cas. Bon, regardez, hein. Ils ont rajouté Ferrari, mais ils n'ont pas rajouté une Ferrari, ils en ont rajouté une tonne. Et on a même la Formule 1 de 2007 et 2010. Très très bien réalisé. Dans le jeu. Évidemment, vous aurez beaucoup, 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 beaucoup plus tard. J'ai fait sélectionner, mais c'était un petit peu au hasard. Alors on est chez Sion, qui est une variante, si je dis pas de bêtises, pour l'Amérique de Toyota. J'ai peut-être une bêtise. Alors, on a le mode despec, le mode aspec. On a 36 minutes, on va faire quelque chose. On va faire une course. Donc, on a évidemment l'entretien du véhicule. Je vais vous montrer avec la CRX, puisque j'ai débloqué une CRX. La musique toujours aussi bien. On peut changer, donc on peut nettoyer la voiture. On peut changer l'huile, je vais pas le faire parce que je ne peux pas le faire, je l'ai déjà fait. On peut acheter des peintures. Alors, les peintures... Les peintures, c'est la petite nouveauté. Quand vous achetez une voiture, vous n'avez pas forcément pouvoir changer la peinture parce que vous n'avez pas débloqué la peinture. Dans le jeu, vous allez débloquer des items en passant au niveau, etc. Et ça vous permet de débloquer aussi des peintures que vous allez pouvoir appliquer sur les voitures. Par exemple, là, je ne peux pas appliquer de peinture parce que je n'ai pas débloqué de peinture. On a toujours les jantes qui sont modifiables, voilà, donc là je peux acheter des jantes, ça coûte 3500, ça ne sert à rien, mais si vous aimez un truc visuellement, préférez d'autres jantes visuellement, vous pouvez toujours le faire. Les kits aéro, bon, le problème c'est que, vous voyez, avec celle-là, je peux acheter à la limite un petit wing à l'arrière, ça va me coûter 500. Regardez, ça va, alors par contre je ne comprends pas, c'est pourquoi, ah oui, je garde la même puissance, mais j'ai un peu plus de... En PP, elle a augmenté un petit peu. Ah bon, comme je suis sympa, on va faire le kéké, on va prendre un petit aileron comme d'habitude. Comment on achète par contre? Voilà, j'ai fait le kéké, j'ai installé l'aileron. Le moteur, je peux remettre à neuf le moteur. Voilà, donc nettoyer toutes les pièces, etc. Ça va me refaire augmenter la puissance. Alors le prix est moins exorbitant que dans les anciens Gran Turismo, 4500, c'est faisable. Alors c'était genre 30-40 000 pour refaire. On a des coupons aussi. Alors les coupons, on les a pas forcément au début, je crois qu'on les a... c'est parce que le jeu, là, on l'a pris en version finale, hein, 2014. On n'a pas forcément de coupons au début pour ça. Il faut le payer.
la maintenance du châssis et la modification de course, mais je n'ai pas de modification de course et je peux refaire le châssis entièrement si je veux. On va faire tout de suite. Disons, on va réserver la modification du châssis pour des modèles qui coûtent beaucoup plus. On va pas s'embêter avec les petits modèles. Et on va aller enfin, alors presque enfin, j'allais dire, on a un mode practice puisqu'on peut s'entraîner avec les voitures. On a le tuning shop pour acheter les éléments, mais je vous l'ai dit, on n'est pas forcément obligé en fait, puisqu'on peut directement aller dans le menu de la bagnole. Et oui, c'est pareil. Ici, on peut acheter les trucs. On a un menu à part. Bon. J'ai pas trop l'intérêt, puisqu'on peut le faire directement depuis le menu. Du coup, ça fait un peu doublon. Et enfin, le photo travel pour faire des photos. Je pense que on est bon. On a la liste des courses, la musique, on peut changer la musique, faire aussi une playlist si on veut. Voir les replays, voir le musée, voilà. Donc un menu qui est extrêmement chargé. On va faire une petite course en aspec, en mode beginner, puisqu'on n'a pas encore le niveau pour aller très haut. On a un niveau 0, ce qui fait que dès le début, même sans permis et sans niveau, on peut quand même faire ses courses, ça c'est pas mal. On va faire la scène des cups, et vous voyez, j'ai déjà gagné les deux premières, on va faire le circuit de Tsukuba. En espérant que tout fonctionne. Et là, par exemple, il n'y a que 8 voitures en même temps. Et qu'en tant que c'est en noir, c'est-à-dire que le jeu n'a pas chargé les véhicules, et quand ils sont passés en blanc, voilà, ils auront chargé les véhicules. On peut toujours changer les options. On va démarrer tout de suite. Vous imaginez, on n'a fait que 2 courses en l'espace de 40 minutes. Après, le jeu vaut vraiment la peine. Hein. C'est Gran Turismo. Limite, c'est pas trop grave. Ça, je veux bien prendre du temps. Parce que ça vaut le coup, de toute façon, d'expliquer un peu tout. Même si j'imagine bien que le jeu étant tellement vieux, vous le connaissez par cœur, long, en large et en travers. Allez, c'est parti. Avec notre petite CRX, bon, normalement, ça devrait le faire, parce qu'on a quand même une voiture assez puissante, assez... bon, légère, peut-être pas, par rapport à une Mazda, mais... Et donc, vous voyez, le circuit complètement refait. La densité, le niveau de détail est quand même très élevé, il y a des trucs partout. C'est quand même très très joli. Là, je vais... passer à l'intérieur comme un chagouin, un mélange de chafouin et de... On est déjà passé devant, bon, c'était rapide. Je vais vous montrer quand même, voilà, bon ça c'est un petit bug, parce qu'on est à l'intérieur. Regardez, la vue des cockpits des véhicules qui ne sont pas premium, c'est ça. C'est-à-dire que l'on a le volant, qui est un petit peu simulé comme s'il tenait un volant, alors qu'en fait réellement il n'y a pas de volant. Hein. On a un cockpit qui... Voilà, même l'arrière. Alors par contre, ils ont repris les formes de la voiture. Vous voyez, d'ailleurs, quand même, le fait que le haillon soit remonté nous masque un peu la vue. Mais c'est tout. Il n'y a pas plus au niveau de détails à l'intérieur. Et ça, à l'époque, bah, ça avait un peu gueulé. Parce qu'on s'attendait à ce que toutes les voitures aient été remises au bout du jour. Donc, c'est un peu dommage. Pareil au niveau des sons. Le son des dérapages est toujours aussi ignoble. Ça, par contre, ils l'ont pas modifié. Je suis même dans le 6 non plus. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Bah après c'est du Gran Turismo, hein, vous l'avez compris. Il n'y a rien de... C'est un jeu qui a très bien marché, parce qu'il était très attendu. Ça sera pas le jeu préféré des gens qui ont aimé Gran Turismo en général. Les gens ont tendance à citer le 4, parce que c'est vraiment le 4 qui les a mis dans le bain, ou le 3 des fois, ou les tout premiers pour les ceux qui avaient une console avant. Et le 4 a quand même... une aura qui n'aura jamais le 5. Mais le 5, techniquement, est très très bien aussi. Alors, il a un petit peu vieilli en termes de maniement par rapport à la concurrence, parce qu'il était un petit peu reproché, ça reste assez rigide. Ça reste toujours une semi-simulation, dans le sens que si vous activez tout, c'est pas non plus Wipeout, hein, faut pas déconner, mais c'est pas non plus extraordinairement dur au niveau du maniement. Ça dépend quand même les voitures que vous prenez. En général, vous n'allez pas trop galérer. Donc là, on va finir la course tranquillement. Ouais, le point de freinage c'est assez compliqué. Alors ce qui est intéressant aussi c'est qu'on a le mouvement montré rapidement, mais quand on freine, vous voyez l'avant qui s'écrase, ça c'est plutôt bien fait. Bon, pour attendre le dernier, on va pas l'attendre. On a du coup 4000 crédits, et quand on gagne des crédits, on gagne aussi, vous allez voir. Hop là, une barre de niveau, alors pas entièrement, on est pas toujours en niveau 4, mais ça nous permet donc d'augmenter notre niveau. Et du coup, je pense que je vais gagner quelque chose, puisqu'on a fini la troisième course du mode Sunday Cup.
Eh ben pas du tout. Absolument pas. Si je fais bug, je crois qu'on a rien gagné. Je regarde si on est toujours à 4. Alors peut-être qu'ils le disent plus, j'ai oublié s'ils me disent quand on a gagné des voitures. Si, c'est bon. Vous avez complété la Sunday Cup avec le trophée Gold, donc j'ai gagné une Vitz. Vous savez ce que c'est très... Vous savez ce que c'est la Vitz. C'est le même, l'un des plus gros mèmes de Gran Turismo 3 et Gran Turismo 4. Donc là, je dis que je veux recevoir le trophée. Donc on va avoir une petite animation. Et là, les phares ont marché. Alors, je ne vais pas utiliser cette voiture. C'est gentil, merci Gran Turismo. Et j'ai gagné une peinture. Ce sera normalement réutilisable pour d'autres voitures. Regardez ce que j'ai dans la carte de livrée. J'ai le petit kart, j'ai une GT86, j'ai une Demio Sport, une console. Je vais prendre la Demio peut-être. Ça va me permettre de faire par exemple la coupe de voiture. Petite voiture, je dis pas de bêtises. Ah non, c'est peut-être un peu trop grand finalement la Demio. Pas ici, orange Mika, non. C'est marrant parce qu'il me semblait que c'était que le bleu Mika qui avait pas l'orange. Alors je sais pas ce que c'est le Mika dans les couleurs. Je sais pas, c'est peut-être une teinte brillante, je sais pas. Alors du coup, je vous ai montré le dealership, mais on a aussi les voitures usées que l'on peut acheter. Et là vous voyez, on a des modèles pas trop chers. Alors on pourrait en acheter un par exemple. Je sais pas ce que l'on a qui pourrait rentrer dans notre... dans notre considération, si je veux faire par exemple la coupe lightweight. Vous voyez, ça coûte cher, hein. Par exemple une road car de 998 998 000 crédits, on a que 19 000, c'est pas beaucoup. Je pense qu'à 19 000, on peut déjà acheter quelque chose. On peut changer la vue par prix. Voilà. Carré, ça c'est bien. On a une Mazda 2, une Demio GLX de 99, ça va parler aux plus anciens. Un petit cruiser, on peut s'acheter une Insight 99. Un Rostar Mini Marcos GT 70. Terra Tipper. J'imagine que vous voulez que je vous montre les voitures, donc je vous montre un petit peu quand même. Voilà à quoi ça ressemble. On a RX7, on a une Elise. Oh, une Elise à 32 000, mais c'est un peu trop cher, j'ai pas l'argent pour. Terra Tipper par exemple. 400 points de performance. Ils nous disent les points de performance, hein. Par exemple si je prends l'Insight de 99. Regardez ce modèle, il est quand même pas mal, l'Honda Insight, je connaissais pas trop. Je crois que c'est un modèle qui est... qui ressemble à la Prius, ouais, c'est ça. C'est la première hybride. Première hybride, à 56 000 km. Je pourrais l'acheter en vrai, mais je ne vais pas le faire. On pourrait avoir d'autres voitures. Bon, bah voilà, on peut acheter des voitures d'occasion ici. Ce qu'on va faire, comme ça s'est très bien passé, on va directement passer, par exemple, à la deuxième coupe, qui est normalement la Clubman, ça n'a pas trop changé. Non, l'FF Challenge. Peut-être que je peux la faire directement. Je sais pas si elle est FF, mais je suis sûr. Bon, c'est bon, ça passe. Ça passe. Donc dans le circuit de Suzuka. Alors le chargement est très rapide, ne vous fiez pas à ça vraiment. Je vous le dis, le chargement réellement là du circuit, si vous êtes sur la console, et que vous n'avez pas mis de SSD, vous êtes gardé sur un disque plateau. Je crois qu'on peut mettre un SSD sur la PS3, hein, c'est possible. Ou alors il faudra un disque 7200 tours, parce que je crois que celui de la PlayStation 3, c'est un disque 5400, du coup c'est vraiment le plus lent en plus. Qu'est-ce que j'ai regardé le monde qu'il y a. On a des gens qui sont animés, rien de public. Hein. Même si c'est pas forcément tous en 3D, on a quand même public animé. Et oh là, attendez, regardez, vous voyez le petit bloc de personnes à gauche. J'étais juste en dessous, là où il y a la séparation. J'ai vu le Grand Prix du Japon en 2017. Bon allez, c'est bon, on va passer directement au départ, faut que j'arrête de parler. Vous voyez quand même le niveau de détail est quand même assez élevé. Ça rame toujours un peu, voilà, ça c'est le chargement de tous les assets. Début. Et on est donc à Suzuka. On va voir ce que ça donne par rapport aux autres voitures, je ne sais pas. A mon avis, on va être un petit peu à la rue parce que regardez ce qu'il y a derrière nous. Une Ford Focus. Alors c'est vrai que le problème des phares, je pense que ça va être résolu. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, si vous jouez sur PC. Quand je parle de PC, bien sûr, je parle d'émulation. Hein. Attention, il n'y a pas de version PC pour Gran Turismo 5. Oh, on a une Primera. Oh, la Primera. Qu'est-ce que j'adorais la Primera sur Gran Turismo 1. Il freine un peu. Alors, je n'ai pas parlé des dégâts, mais il y a des dégâts dans Gran Turismo 5. Et oui. Et ça a été une critique fondée à l'époque, c'est de dire, mais attendez, mais Forza fait les dégâts, elle les fait correctement. Bon, après, c'est pas plus ouf, mais quand même. Pourquoi Gran Turismo n'a toujours pas de dégâts? Eh bien, Gran Turismo 5 a introduit les dégâts. Sauf que les dégâts,
Ils auraient mieux fait de ne jamais les introduire. Enfin, disons qu'ils n'ont aucun intérêt réel, puisqu'ils sont super, super mal faits. On a une déformation de caisse qui est assez légère, quand on tape les véhicules. On n'aura jamais des bouts qui vont partir en lambeaux. On peut avoir des gros crashs qui plient complètement la voiture, c'est possible. Mais ça ne fait pas de... Ça n'influe pas mécaniquement, en fait, sur le véhicule. Et ça, à l'époque, c'était un reproche fait à Gran Turismo 5, c'est de se dire, bon, bah, maintenant, c'est les années qu'on attend, on n'a toujours pas ça, toujours pas des vrais dégâts à la Toka, ou enfin, à la Race Driver, ou Grid. C'est un petit peu dommage. Alors, je vous avoue sincèrement que rajouter des dégâts dans un jeu où il y a énormément de voitures, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte aussi que la gestion des dégâts, ça implique que on voit l'intérieur du véhicule, c'est-à-dire qu'on voit le moteur, on voit tous les éléments à l'intérieur, et ça rajoute énormément de polygones à afficher, puisque c'est des éléments qu'on doit charger en amont au cas où il y ait un dégât qui fasse apparaître ces détails. Donc, je peux comprendre qu'il y ait, par rapport au temps d'arrivée du jeu, qu'ils aient pas mis non plus tout leur effort sur les dégâts, soit un petit peu compréhensible. Je vais les excuser à moitié là-dessus, en tout cas pour le 5, pas pour le 6, par exemple, je pense qu'il y avait zéro excuse, mais le 5, je peux leur laisser encore cet honneur de les excuser. Alors, comme vous pouvez voir, le circuit est très bien fait. Je vais me taire pour un tour. C'est parti. Je trouve que les musiques sont quand même bien choisies dans ce jeu, au niveau des chargements, au niveau des menus, c'est ça, toujours bien. Alors après, ils ont rajouté beaucoup de musiques connues, c'est plus des thèmes spécifiques en tourisme. Il y a par exemple cette musique-là, In the Curve, il y a Peno, P-N-A-U, je sais plus comment ça s'appelle, quand c'est les enfants qui chantent, etc., au loading, c'est des chansons connues, c'est pas des chansons faites pour Gran Turismo. C'est là où je suis un petit peu déçu, c'est qu'à l'époque, ils faisaient vraiment des chansons pour... enfin, des musiques pour Gran Turismo, spécifiquement pour Gran Turismo. Et ça fait quelques épisodes qu'ils n'en font plus. On est dans un circuit de nuit à Clemens Stage Route 5. Donc c'est parti. Je sais pas si les lumières vont bien s'allumer. Les phares sont noirs, peut-être que ça va bloquer. Et je pense que... Non, c'est bon. Je me suis demandé si je n'avais pas crashé. Hop, non. Allez, encore une fois, je vous laisse un peu profiter, je me tais.
Vous avez vu quand même les effets de lumière sont plutôt convaincants. Cet effet de blur autour des lampes aussi. Cet effet un peu halo. Qui est quand même réussi. Pour l'instant, avec ma petite CRX, les premiers championnats, ça se passe très bien. De toute façon, si vous avez joué au Gran Turismo avant, vous avez compris qu'en fait, souvent, améliorer une voiture au début ne sert pas à grand-chose, puisque en général, les IA sont assez faibles. Pas besoin de passer son argent en début de Gran Turismo, puisque de toute façon, vous allez débloquer des voitures plus puissantes au fur et à mesure, et vous n'êtes même pas en fait obligé des fois de faire des améliorations. C'est vraiment dans les cas spécifiques. Vous êtes un peu juste. Et sur les premiers championnats, en général, ça passe. Sauf si vraiment vous avez pris la pire voiture. Alors attendez, parce que je crois... vous voyez en bas, on a le mode plein phare. En dessous du 3, la vitesse 3. Et je sais plus si c'est une option ou pas. Mais il me semble qu'on peut... Je sais plus comment on fait. C'est pas la touche du haut, peut-être. Ah oui, voilà, c'est ça. Vous voyez, je vais changer de vue. Là, je suis en plein phare. Et là, je suis en plein phare. On voit pas de différence, c'est pas grave. Mais bon, ça s'affiche. Et regardez, j'ai quand même des dégâts sur la carrosserie. Vous voyez la partie du capot? C'est parce que j'ai touché des bagnoles. Et du coup, ça a été un petit peu froissé. Mais bon, voilà, c'est pas non plus ouf niveau des dégâts. C'est bizarre parce que là je suis en plein phare. Alors il faut appuyer sur R1 d'ailleurs pour changer au passage. Aucune différence. Là je suis en plein phare. Là je suis en rien, là je suis en plein phare. Enfin j'ai aucune différence. C'est pas grave. Donc on a fini premier. Je me dis c'est bizarre, il y a quand même l'affichage en bas. On a gagné 4000. Alors de l'argent vous allez avoir besoin vu le nombre de voitures qu'il y a débloqué, mais ça vient assez vite. C'est moins lent que Gran Turismo 3, par exemple, pour avoir de l'argent. Là, on a réussi. Et on va du coup, on va finir la troisième coupe, hein, comme la troisième course. Ça, je voudrais montrer le circuit de Deep Forest. Le championnat FF. Ce que je trouve bien dans ce jeu, c'est qu'ils ont quand même respecté les circuits... Je dirais pas que dans le set ils ont pas respecté, sauf certains, attention. Tout va en aller, apparemment ça a l'air ignoble. Ils ont un petit peu fait des dégagements pour que ça ressemble à des circuits probables en course. C'est-à-dire que les circuits ont des dégagements, etc. Mais je trouve que pour certains circuits, on s'en fiche. C'est l'âme des circuits de Gran Turismo, les premiers. Et il y a des circuits qu'on peut pas changer comme ça. C'est pas possible. On a une Mégane de litres, ça c'est vraiment les modèles qui étaient dans Gran Turismo 4. On a une Peugeot, par contre ça c'était pas dans les anciens. Oula, j'ai du mal à remonter là. En 22. Oula, je suis parti complètement à la faute. Et alors aussi, petite donnée, c'est que les dégâts que l'on a sur la voiture n'apparaissent plus. Vous voyez, par exemple, ici, elles n'y sont plus. Quand vous avez fini la course, hein, c'est vraiment temporaire. Ce qui aurait été, par exemple, amusant, c'est que on ait des dégâts, allez, pas forcément très forts, mais un petit peu sur la voiture, des dégâts visuels ou des griffures sur la carrosserie. Et que, par exemple, quand on revient dans le menu Gran Turismo et qu'on change de course, il sera toujours présent. Ce qui fait que ça nous oblige, par exemple, à aller faire un polish, un nettoyage de la carrosserie dans le menu. Ça aurait été par exemple intéressant. Et ça nous aurait par exemple obligé à être un peu plus soft sur les dépassements, faire gaffe à pas se planter, etc. Oui, c'est pas super bien pour le moment, hein, avec une petite CRX.
Bon, elle a été améliorée, je crois que j'ai rajouté un petit CU, j'ai dû baisser le poids un tout petit peu. Mais voilà, ça s'arrête là, hein, c'est toujours la même technique. Alors dans ce jeu, vous allez faire beaucoup appel au ballast, pour des fois pour ballast un petit peu, pour brider les points et la puissance. Passer ça, c'est un championnat limite, c'est arrivé souvent, je me souviens, dans le mode l'histoire, pas le mode Gran Turismo. C'est parti des Gran Turismo que j'ai pu jouer, mine de rien, hein, avec le 4, avec le 3, avec le 2, avec le 1, enfin surtout le 1, parce que le 2 c'est pas celui que j'ai pu jouer. Enfin, j'ai joué avec vous en... des courses sur YouTube, quoi, on a fait le 2 aussi, mais j'ai beaucoup joué au 5. Hein. Et d'ailleurs, pour comme je dis, 3615 My Life en début de vidéo, c'est un jeu qui m'a énormément frustré, je vais expliquer pourquoi. Genre, j'ai donc eu le jeu très rapidement avant la sortie, sauf que c'était 2 jours avant mon stage, un stage en informatique, lors d'une époque où je n'avais pas encore d'emploi. Et mon stage se déroulait dans une ville. Et du coup, bah, j'ai pas pu prendre la console, vous vous doutez bien, on est quand même. On n'est pas. Enfin, à l'époque, bon. Déjà, j'avais un gros écran plat, j'aurais certes pu prendre la console, hein, si vraiment j'avais voulu, mais j'avais 2 mois de stage à faire. Et du coup, pendant 2 mois, je n'ai pas pu jouer au jeu, alors que je venais à peine de débuter le jeu, hein. J'ai dû jouer une journée à peu près, une journée et demie. Et c'était frustrant parce que j'étais à l'hôtel pendant 2 mois et je ne peux pas jouer à Gran Turismo. Et c'était... J'imaginais pas le taux d'énervement de ne pas pouvoir jouer à ce jeu alors que ça fait des années que tu l'attends. Et donc ça, j'en ai des mauvais souvenirs à cause de ça. Et après, quand je suis rentré à la maison, voilà, on a même joué avec un pote, Franck. Oui. Et on a pas mal joué à ce jeu. Voilà, donc c'était un jeu vraiment, vraiment, vraiment cool. On arrive à la fin de la vidéo, on est déjà 1 heure. Je sais pas trop ce que je vais pouvoir montrer plus. Je crois si, je peux montrer un truc aussi. On a fini la série. Et pour le coup, je me souviens que mon fond d'écran, je crois que je l'ai encore sur le PC d'ailleurs, j'ai pris une photo. Le fond d'écran de mon PC pendant 2 mois, mon PC portable, c'était la Mitsubishi GTO. Noir sur Train Mountain que j'ai pris en photo dans le replay et que j'avais mis sur mon PC. Voilà, c'était pour la petite anecdote. Parce qu'on pouvait enregistrer les captures normalement sur une clé USB en branchant sur la console. Du coup, j'avais pu l'afficher. Voilà, pour la petite anecdote. Hein, et j'ai débloqué niveau 5 et on peut accéder au niveau amateur des courses. Et on a un nouvel event spécial qui est arrivé, c'est le AMG Driver Academy. Être joué. On a débloqué une voiture qui est la Civic SR2 de 91 que l'on va aller voir tout de suite. Yes. C'est parti. Ouais, les phares fonctionnent là. Comme dans ce menu là, les phares ont pas de problème, ils sont pas noirs. Bah allez, pourquoi pas, on va l'utiliser, mais je crois que c'est une version de Gran Turismo 4, donc on va pas le cockpit. Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Oui, on a les événements spéciaux. Et regardez les événements spéciaux ce que l'on a. Même pas mal de choses. On a le karting que je vais peut-être vous montrer quand même finalement. On a Jeff Gordon NASCAR School parce qu'on a des courses de NASCAR dans le jeu. Et ça, c'était pas mal. On a le Top Gear Test Track avec des challenges uniques parce qu'ils avaient un lien avec Top Gear. On a des courses de rallye. On a le Grand Tour. Ça, c'est l'Italie, je crois. Et on a le défi Sébastien Loeb de rallye. La claque, quand même, c'est pas mal. Et du coup, je vais vous montrer le mode karting. Donc on va aller dans le mode spécial, du coup, pardon. On va revenir. On va prendre le menu beginner, puisque... par contre, oui. Je vais dans le garage, je vais faire... sélectionner, change car, et ça c'est génial, ils ont compris qu'on en avait marre de faire des allers-retours dans le lobby pour aller chercher les voitures et revenir après les faire. Donc on va faire la course de karting, je sais pas ce que ça va donner, est-ce que ça vient marcher ou pas, bref, vous allez le découvrir en même temps. Mais alors le karting, qu'est-ce que je trouve, c'est nul. Vous allez voir, on est à Tokyo Bay.
Regardez, on va bouger les... Voilà, on a le karting, c'est parti. Alors, on n'a pas les kartings les plus rapides, hein. Je crois qu'on en débloque après que c'est un peu plus. C'est les 125, si je dis pas de bêtises. Voilà, je tourne. Alors, je ne connais pas le tracé, donc je vais le découvrir en même temps. Enfin, je m'en souviens plus du tout, hein, pour être franc. Regardez, ça grippe. Et je tourne. Aïe, 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 aïe. Alors, il n'y a pas de vitesse, hein. On est en mode drive. Enfin, c'est avancé, c'est tout. Y a pas de... Je crois qu'il n'y a pas de vitesse. Alors, d'ailleurs, je vais montrer un petit truc. Dans les options, il me semble que... Ah si, si, c'est ça. Alors, on peut voir le circuit si on veut, donc on va mettre fixé de tout quart. Je peux par exemple ne pas mettre ça, je peux choisir d'afficher la vitesse suggérée, le charge des pneus si on veut. La driver list et le temps. Par exemple, je vais le laisser. Regardez, on a la charge des pneus. Tournez par exemple, on va utiliser un peu trop. On peut voir quel pneu travaille. Ça ne sert à rien, mais pourquoi pas. Je vais l'enlever. Et on va faire OK. Voilà. Là, on est 12 karting, on va... Bon, je vais me taire pour le dernier tour, comme d'habitude, je vais vous laisser profiter un peu du jeu. N'importe quoi. J'ai tellement fait n'importe quoi que je pense qu'on va pas pouvoir le rattraper. J'ai raté. Bon, on finit deuxième, c'est pas grave. Donc on a fini deuxième, bon, on aurait censé la gagner. Bon, j'ai vraiment fait n'importe quoi, mais le niveau était pas élevé quand même. Hein. Je me suis pas planté deux fois au début et on gagnait. Hein. C'est une histoire que de... Je gagne quand même. Ah oui, alors je vous ai pas parlé de ça, c'est quand on gagne des crédits, on peut gagner, donc... là, par exemple, j'ai fait l'argent, mais ça prend en compte l'argent plus le bronze, donc ça me fait 7000 crédits. Voilà, c'est un peu particulier comme système, mais si j'avais eu l'or, j'aurais eu l'or plus l'argent plus le bronze. C'est très particulier. Je vais vous montrer une dernière chose, on est à 1h07, je vais vous montrer le mode rallye. Je vais essayer, je sais pas si ça sera possible. Alors, il y a le mode Top Gear aussi, NASCAR, mais ça, je vous laisserai découvrir le jeu, enfin... Si vous n'y avez jamais joué, je vais pas tout vous montrer non plus, ça serait dommage. On va faire... On va revenir en mode arcade. Je crois que je pourrais acheter une voiture avec 38 000. Hein. Non, on va revenir en mode arcade. Je n'ai rien oublié ici, normalement. On va sortir. On va aller au mode arcade. Ah oui, je ne vous ai pas montré le course maker, effectivement. Bon, on va passer outre, je suis désolé. En gros, vous pouvez créer un tracé, l'environnement, les montées des niveaux, etc. Et puis, vous pouvez jouer après dessus. C'est plutôt bien fait. En vrai, c'est pas mal. Si c'est un gros intérêt, bah, à part vous amuser à faire les test tracks, oui, ça peut en avoir. Pas plus que ça. Quoi. Alors, on va faire Single Race. Professionnel, pourquoi pas, allez, on est des fous. Et on va mettre Dirt and Snow. On va prendre par exemple, alors là on a un circuit de Toscane qui a un nouveau circuit, on a Chamonix. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre par exemple? Je sais pas ce qu'on pourrait prendre. Bon allez, on va prendre un circuit sur la neige. On va prendre par exemple Chamonix-Est. Alors le problème c'est que je crois que toutes les voitures ne peuvent pas forcément être utilisées pour ça. On va prendre par exemple une Delta intégrale en version rouge, ouais, pourquoi pas. Snow Tire, donc ça c'est bon.
Super. Alors, Mechanical Damage, vous voyez, no heavy. On va mettre au maximum. Est-ce qu'on peut choisir le niveau de dégâts? L'avantage du mode arcade, on peut facilement personnaliser. Il n'y a que 4 véhicules, c'est logique, hein, on est sur un circuit mode rallye, donc ils vont pas mettre 16 véhicules, ça aurait pas de sens. Donc jusque là, rien à dire dessus. Et il y en aura une Mini Cooper et une Golf. Qu'est-ce que ça affiche là? Bon. On aura le même concurrent devant nous, tiens. Alors je remonte à terre quand même la Delta, bah, puisqu'on a enfin un véhicule avec un vrai cockpit. Il me semblait qu'on pouvait faire vue gauche-droite, mais en fait non. On ne peut pas. Donc là, on a un virage un peu serré. Ça glisse un peu. Oh que ça glisse. Oh là 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 là. Oh là là là, ça part n'importe comment. Non, ça va, c'est réaliste, ça par contre, je vais quand même pas... Je vais pas, critiquer pour critiquer, il y a quand même des choses qui sont bien réussies hein, dans le mode drift. Dirt neige. C'est juste pas parfait quoi, mais ça va, en vrai ça va. Je vais garder cette vue. Là on voit rien devant nous. Évidemment le freinage ça va marcher moyen. Bon, j'ai pas pris le circuit le plus difficile, j'ai l'impression. On l'a remonté. Oh, c'est bon, on les a grillés. Vous avez vu le siège arrière, la petite vue arrière. Ça, c'est un anecdote que je sors souvent, que je peux enfin pouvoir ressortir avec le bon jeu. C'est le souvenir quand j'étais gamin, justement. Je dis quand j'étais gamin, quand j'avais 70 ans, mais bon, quand même, ça commence à dater. C'était avec la petite Lancer Evo 4, Tsukuba. D'avoir accéléré, avoir mis la vue arrière avec les sièges et le vrombissement du moteur. C'était. Ultra réaliste, ultra prenant, et je sais pas, ça m'a tellement marqué ce petit détail que bah, même maintenant je m'en souviens encore. Alors qu'est-ce qu'on pourrait critiquer dans ce mode glace, etc. Bon, pas grand chose, hein, en vrai ça va. Évidemment on va taper le décor, on va rebondir bêtement dessus, y'a rien qui va se casser. Ça je dis, ça ressemble beaucoup à du... soit à du Sega Rally, soit à du... j'ai oublié le nom du jeu, Verali. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait les décors, mais vous sortiez un petit peu, vous remondissez dessus, il n'y avait aucun impact, aucun impact. Je sais pas si j'ai pas eu des dégâts quand même, un petit peu. Là, je relâche juste un petit peu en fait. Hein. J'accélère instant, ça passe très bien. Boum, là, j'ai tapé fort, par exemple. J'ai mis des dégâts heavy. On verra, je vais encore taper. Bon là par exemple, vous voyez, j'ai tapé assez fort sur le côté. Et vous voyez par exemple, la voiture se salit. Si vous regardez bien derrière moi, la voiture, elle est un petit peu blanche. Elle a récupéré en fait des salissures hein, tout simplement. Et vous voyez, j'ai tapé un peu, et je crois que j'ai dit une grosse bêtise. Ça va me permettre de vous montrer. Vous voyez, j'ai tapé un petit peu et la voiture elle a tendance à tirer à gauche maintenant. La voiture a tendance à tirer à gauche. Donc elle tire toute seule. Toute seule elle va à gauche. Donc non, j'ai dit une grosse bêtise. Mais alors je me souvenais pas du tout de ça, pour vous dire. Il y a des dégâts et ça impacte la direction. Alors est-ce que c'était le cas au tout début du jeu ou est-ce que ça a été implémenté après? Ça c'est une bonne question. Je crois que j'ai arrêté de jouer au jeu en 2013. Hein. Alors peut-être que 2014 il y avait ça, je me souviens plus. On a quelques artefacts graphiques, mais ça c'est comme toujours. Bien sûr. Alors je sais pas si je peux. Oui, je peux masquer quand même le. Jouer ce level extérieur. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Je vais. Je pense que je vous ai un peu tout dit en vrai. C'est un jeu qui est extraordinaire. C'est comme les autres Gran Turismo. On fera le 6 un jour. Par contre, je vais pas être aussi gentil. Le 5 pour l'époque, ça aura pas été le Gran Turismo le plus marquant. Mais pour l'époque, quand même, c'était un très très bon Gran Turismo. Je le plaçais quand même dans le top. Si je suis un minimum pas nostalgique, je pense que Gran Turismo 7 sera le premier. Parce que c'est quand même le plus réaliste.
En deuxième, je vais mettre Gran Turismo 5. En troisième, je vais mettre Gran Turismo 6. Gran Turismo 4 après. Parce que... Non, dans tous les cas, je mets devant Gran Turismo 6, puis Gran Turismo 6. Après, on a Gran Turismo 2, Gran Turismo 1 et Gran Turismo Sport. Et là, je parle vraiment purement techniquement. C'est-à-dire, je ne prends pas en compte la date de sortie du jeu. Mais c'est pour vous dire qu'en termes de contenu, en termes de réalisme, etc., Gran Turismo 5 reste un jeu très très bien. Même à l'heure actuelle, bon, évidemment, c'est pas pour en jouer en ligne, mais si vous voulez faire une petite carrière solo, etc., ce qu'on va pouvoir faire d'ailleurs bientôt, vous vous en doutez, c'est aussi pour ça que je voulais que ça marche, c'est que je vais pouvoir enfin faire de la live sur Gran Turismo 5, et ça, ça fait super plaisir, ça fait longtemps que j'ai envie de le faire. Gran Turismo 4, j'aime bien, mais on a un peu fait le tour. Donc, ça va être sympa. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je veux pas changer encore la vue, là. Regardez, j'ai encore une vue encore intérieure. J'ai une vue du capot. La vue arrière, très bien faite aussi, et la vue. Je pense qu'en plus, maintenant, on arrive à un point où, au fur et à mesure que l'illumination va avancer, le jeu sera encore plus optimisé, donc ça va passer. En tout cas, c'était un super plaisir, je pense que vous le savez à ma voix, ça s'entend des fois quand même, quand je suis content, pas content, je suis super content de pouvoir faire cette vidéo sur ce jeu, que je conseille, bien évidemment. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour une autre vidéo sur le jeu, bien sûr, et potentiellement bientôt, vous l'avez compris, en live sur Gran Turismo 5. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.